Je vais vous montrer maintenant comment dessiner Rose McGowan de la série Charmed, que tout le monde connaît, à l'aide d'aquarelles marron, noir, de la couleur peau 381 des collines, un crayon à papier gras et un sec, ainsi que mon crayon rouge et un crayon noir. Le mot caricature vient de l'italien caricare, qui veut dire chargé. Voilà, en fait, on est censé chercher les défauts et les accentuer dans un visage. Personnellement, je pense qu'on n'est pas obligé d'accentuer les défauts et qu'on peut faire une caricature d'une très jolie fille comme Rose McGowan. Alors bien sûr, elle a un menton un peu fort, des pommettes larges, mais elle a des grands yeux en amande. Enfin en amande, pas réellement, en réalité il tombe un peu. Un nez un petit peu en trompette. Visage un peu allongé. Donc là, pour l'instant, c'est du brouillon. Il y a énormément de traits en trop qu'il faudra enlever. J'ai réalisé énormément de dessins de pin-up, des dizaines de peintures et certainement des centaines d'aquarelles. Et j'aime bien mélanger le style caricature et le style pin-up. J'aime bien la difficulté et réussir à donner du charme à un visage qu'on a totalement déformé. Je trouve qu'Uderzo fait ça très bien dans Astérix. Certaines filles sont particulièrement belles et bien dessinées. Et on sent qu'il avait vraiment du plaisir à le faire. Donc après le crayon sec qui donne des traits clairs, je passe au crayon gras qui permet d'obtenir un trait très noir sans appuyer. Ça, c'est carrément un 7B que j'utilise depuis peu, mais qui est quand même très pratique. Voilà, j'attaque maintenant avec les collines 381, la mise en couleur, couleur peau, les collines pures pour les ombres les plus sombres, et ensuite je trempe un peu le pinceau dans l'eau pour diluer et faire les tons intermédiaires. J'ai un peu forcé le contraste sur la vidéo car j'ai pas très bien filmé. Donc pour l'instant, elle a l'air très rouge. Donc mes pinceaux remplis d'aquarelles très pratiques. On peut pas travailler très finement avec, mais on peut remplir très rapidement de grandes surfaces. Voilà, ensuite j'assombris les cheveux. Petit à petit. J'ai fait quelques erreurs en filmant, donc il y a des parties qui manquent. Voilà. Je rajoute les contours noirs, tous les endroits importants. Comme d'habitude, je vais du plus clair au plus foncé. Je m'applique un peu plus sur les parties compliquées, la bouche, les yeux. J'ajoute quelques ombres au crayon de couleur rouge dans la peau. Un peu de noir aussi pour accentuer les ombres. Les yeux. Encore un petit peu d'aquarelle pour quelques retouches. Et voilà, c'est terminé. C'était donc Rose McGowan en caricature et en pin-up.